Administration Joe Biden là manifesté en pile volonté pour voyer prendre 17 missionnaires américains qui en bas griffe Lanmò San Jou ti monsieur 400 Mawozo en soi. Mais fòm dou nan jou k'ap vini yo la, bagay la pral vraiment dégénéré dans la République si toutefois États-Unis sous sérieux. Mais fòm dou malgré nouvelle si la, Yon Yon ki se yon nan fondate gang 400 Mawozo Toa, li ta pran plaisir nan prison koto mette la en bon flané. M'bral bon détail, m'bral expliquer ou, mais yon nan bagay ki important c'est abonner avec Chanel Haïti Media ou non pour le capable avancer pour pi nouvan. Salutations avec toutes amis, toutes familles, comment nous y est-ce que nous en forme? Ou ap d'accord avec que pays d'Haïti li chargé ak problème. Pays a bourré avec problème dans toute col, mais ou ap d'accord tout, c'est un pays qui vraiment est spécial dans tout sens. Qui j'ont été capable oser imaginer yon type qui vraiment danger koué yon qui c'est yon nan fondate gang 400 Mawozo et forme dou Lanmò San Jou te parler avec Léon Charles pour te dire sauve les communes Croix-des-Bouquets pacifiées, il faut que ou ba nous yon qu'on mette nan prison qu'elle te dit yon si là li pas fait partie des gang 400 Mawozo mais connaît bandi ça ou même comprendre langue toujours virer en dans bouche yo mais on quitte cause ça mais forme dou tout ça une vidéo qui vient jeune moi là pour prouver pour montrer comment monsieur li à l'aise coué mouchi blaise en dans prison que tu mette là et forme dou to ap calé chel belle si ti frè chèk ap pou l'op m'a gade pile bling bling to a nan couler sou comprendre atisa semblerait-il que li t'a fêté nan façon pâle avec l'autre prisonnier qui en dans boombox a joué ba essayer net oui forme dou ça ou ka penser il fait ce qui m'a fait m'bral ki to vivre avec propre nawo m'bral ki to garder comment ambiance l'anteye pour moucher Yon Yon qui c'est yon nan fondateur gang 400 Mawozo qui la cap fait et défait nan commune Croix-des-Bouquets pour m'badi dans plein nan en soi. On a regardé après ça m'a boti commenter pas mieux. Bon. Bon, c'est nous te enjoy ti vidéo ça côté mouche Yon Yon li tapé a fait t'a bolosé assurément t'es capable yon nan jou comprendre qu'elle fête il t'a fête un nouveau printemps mais ça qui est important fidèle Haïti Media on yo à travers vidéo ça ça moi même ti nèg en tout prête là moi arrivé comprendre forme dou réalité a en dans prison l'entendé yon nèg qui gen non dans affaire gang yon gros chabrak dans affaire gang yo arrêté yo metté en prison et bien journée jodi a nous ka comprendre toute réalité yon gros chef gang a mené en dans yon prison parce qu'on d'accord avec fidèle Haïti Media on yo yon nèg koué Yon Yon qui formé un groupe comprendre pour capable théoriser population. Actuellement là, mais c'était supposé joindre en pile affection dans même moun k'ap veye prison si là, mais c'est pas supposé à l'aise kouè mouche blaise et semblerait-il que information qui m'te gagné, information qui t'a fait quoi depuis ces bagailles groupe gang 400 Mawozo manigancé, et bien Lanmò San Jou, li style toujours entré en contact avec Yon Yon pour qu'on ait qui ça qu'a fait et on fait me comprendre même dans ça fait pour fixer prix ça fait kidnapping qui est 400 Mawozo a fait et bien gain avis pas Yon Yon non fixer prix kidnapping si là il faut comprendre que Yon ça c'est bon qui petit dans la république malgré yo mettez monsieur des admiral soi-disant mais tout ça li toujours gain accent li en dans base 400 Mawozo mais qu'on y a me connaît gain en pile question qui capable venir là pour dire bon comment faire on est dans prison pour gain toute fraîcheur ça on a gardé bagaille sous liquide tout neuf alors nous on linette même étiquette les bagages t'en retirer vous comprenez mais m'a dit monsieur ça tout bon me trouver monsieur permettez-moi l'expression me trouver monsieur un petit gens salope parce que pour gain tout même lingue ça on en cool pour m'a regarder c'est non type fiesta la boue soi-disant yon lettre pour moi même est-ce que vous comprenez bon c'est qu'il était qu'à vendre quelques nan bling bling si là yo pour le capable acheter un bon godé un bon verre si t'as un bon petit champagne il t'a un bon petit bagaille pour le boire les autres next ça corps bon que yoyé malgré yon dans prison an gen en pile petit business qu'a fait gen en pile bagaille qu'a bien marché pour yo là parce que même besoin poser une question parce que me pral dire un bagaille là peut-être ou même ou ka étonné là dans pénitencier national dans prison civile si là est-ce que tu connais gen un gros marché en dans prison si là et forme dou nan ça fait comprendre méthode qui vient qu'on a pour bon sim et téléphone faut enregistrer forme dou yon sim ko acheter en dans pénitencier national qui enregistré ça coûte 5000 goud qui puis bon business qui gagne ça ou même DEA l'eau libre ou acheter long $15 $30 et ben nèg yo en dans pénitencier national pour joindre yon sim comme ça ou a besoin 5000 goud pas même besoin dou pour pat à brosse pour reste bagaille yo pour minute téléphone pas même besoin parler de ça même a dire pour montrer comment business lui même lié en dans prison civile si là yo et m'a demandé est-ce que autorité pas bon ici yo gen contrôle prison ouvrir ça son gros question qui me poser là parce que me pral bon information parce que me dou ça déjà moi même depuis me gen information me pas faire l'assassin avec lui m'a baoul est-ce que tu connais valet complot cap manigancer là pour t'écraser pénitencier national me c'était ça seulement qui raison qu'on est fait pas craser pas surveillance non que on mettez c'est pas surveillance non augmenter à travers prison si là c'est parce que tellement gain en pile prisonnier qui à l'aise en dans pénitencier national nèg yo les major yo nèg ça tellement a bien mené yo gain business yo en dedans l'autant depuis yo ta comprendre monter complot pour craser prison yo dit non yo pas praler attends même yo même si yo ta connait gain nèg cap monter complot pour craser prison mais même yo même y a bat nèg ça parce que nèg ça li pas dans intérêt yo donc on craser prison pas dans avantage yo après ça on fait me comprendre prison c'est capable de craser déjà oui agent sécurité qui en bas yo nèg ça pas efficace assez non pour ta civé tout puis fort malfra qui compose prison si là pas dit tout c'est malfra parce que gain nèg journée jodi a qui en bas cap puis comprendre cap coubi non petit coin est-ce que là nèg là peut-être que son si a été ba on moun et puis moun nan pas remel sortant de là prend prison a dit pas dit tout de là pour même cause mais forme dou ça ou même dou là ou mettre prendre marquer dans tête parce que dou ça déjà on sait ce qui a avec information ça pas gain l'assassine pas cacher ça on quitte cantique on prend prière puisque m'a parlé des affaires Yon Yon qui c'est yon nan fondateur 400 Mawozo et on connaît yon nan kidnapping récemment là que Basil a lui-même li fait c'est 17 missionnaires américains qui étaient dans pays là et bien nex ça même yo mettez main dans pas de Casavio ben forme dou fidèle Haïti Media on yo nan moment m'a parler avec ou là gouvernement américain li préoccupé sous affaire si là en c'est ce qui a avec enlèvement qui fait sous 17 américains si là et parmi 17 américains ça yo dit m'gagne un petit monde de l'année déjà ba nous information pour me dire moun ça yo a connait yon vie vie pendant yo kidnappé parce que mode de vie qui a offri yo là yo pas jamais vivre dit que moun corps bon que yo bon pays un pays qui a avancé un pays grande puissance nous capable gain toute idée de ça que m'a expliquer nous là mais forme dou fidèle Haïti Media on yo Conseil sécurité nationale Maison blanche là et bien mais si ça fait comprendre toute mesure qui est en prend là pour joindre libération 17 missionnaires américains qui n'en met 400 Mawozo yo et on fait comprendre libération américain ça yo c'est priorité États-Unis pour moment si là c'est comme ça Jake Sullivan on va comme ça maman papa parle et non conseiller si là l'important qu'on y a pour mal faut vivre pour mal faut coûter façon Conseil sécurité nationale Maison blanche, l'État parlé pour te bailler plus explication sur ça gain pour fait nan jou k'ap vinn yo là pour y aller rapper 17 missionnaires américains si la yo en bas griffe Lanmò San Jou k'ap gérer Basil nan plein nan ki c'est 400 Mawozo. On a l'écouté m'a tourner pour yon on comprendre pour capable ba nous plus détails pour venir avec ti res commentaire analyse logique moins yo. Non, point presse Maison blanche là. So I personally give an update on this issue every single day to the president, who is taking a deep interest in making sure we get every single one of those people home safely. The main thrust of our effort thus far has been to deploy a significant number of law enforcement specialists and hostage recovery specialists to work closely both with the ministry, the families, and the Haitian government to try to coordinate and organize a recovery. We are looking at every possible option for how to go about doing that. We have put the assets and resources in play that we believe can help bring this to a successful conclusion. But these things operate and have operated in Haiti historically on different timetables, under different circumstances, and so we need to manage this situation as carefully as possible so that at the end of the day we achieve our objective, which is the safe return of every single one of those both adults and children, and the children aspect of this is something obviously the president is quite focused on to make sure they're taken care of. Bon, m'passe nous tendez à clair, façon conseiller à lui-même, li t'a parlé, il t'a baillé plus explication sur ça gain pour fait nan jou k'ap vini yo là, mais yon nan bagay pour nous connaître, yon nan bagay qui important, américain sensible pour propre sang. Nous connaissons un petit monde qui était capable de problème. Pour comprendre si c'est 17 grands monde qui étaient dans mais ravissé yo, mais le fait que un petit monde qui mal connaît bagay yo là dans moment, un petit monde qui souffri non mais 400 Mawozo pendant kidnapping nan fait, et bien américain joindre nouvelle là, mon cher pas bon menti, yo vraiment endiablé dans optique pour moun sa yo te capable joindre libération, mais gon bagay fon songer tout, te gen un député américain qui te dit yo pas dans affaire négociation. 17 millions ça que nèg yo a mandé ya pa gen bagay comme ça et fòm djou mouche Lanmò San Jou lui-même li t'a prêt à aller à l'encontre des déclarations si là que député américain te fait lui-même li te sermenté ton écraser si toutefois ça le besoin le pas joindre ni et bien nous va comprendre li t'a plutôt touyer comprendre américain si là et la metté un gros galil bon côté ça son langage codé a dit pour le montrer avec qui plomb que le touyer 17 américain si là et nouvelle ça pas bon menti son déclaration que gouvernement américain, administration américaine non, ni prend vraiment au sérieux et non jou k'ap vini yo là ou pas connaît comment baga la pralier ou pas connaît est-ce que gang ça qui pote nous 400 Mawozo Lanmò San Jou est-ce que dans le passé nous pral conjuguer même tap bien content parce que me toujours dit ça soit gen là dans pays d'Haïti là soit n'a connaît depuis gouvernement américain ou bien administration américaine non li décider camper comprendre insécurité dans pays d'Haïti a li capable camper parce que gen meilleure formule et on connaît équipe là pour capable utiliser pour capable contrer carré dépicer déviant dans pays d'Haïti bagay yo vraiment compliqué bagay yo vraiment drôle mais pas oublier c'est nèg entrepreneur la voix information c'est lui même qui là pour bon plus détail pour bon bonjour information pour mettre comprendre sous picou pour me dire qui ça qu'a fait qui ça qu'a passé dans pays a mais pas oublier tout avec Moinga Haïti gen deux produits gen outil gen bonne gen outils qui sont pour mad, les fait avec environ 8 produits organiques, il là pour allonger tol pi nou, détirer le bali bon en forme, l'autre doit massail c'est rololoy, ou abjoun un allongement de 3 à 5 cm et en même temps, ou abjoun grossesse dans moins que 2 mois, sous passer régulièrement, c'est-à-dire 2 fois par jour. Et pas oublier gen bon nan, li c'est un comprimé, li fait avec 13 plantes naturelles, li là pour augmenter le libido, freiner sec conquépin, ça qui pote non bec à terre, prend 3 comprimés chaque jour, dans moins que 8 jours, ou si vous gaya suite avec bec à terre ou tap souffrir. Relé dans 3755 4606 ou Haïti ou l'autre bordeaux composé 514 886 97 76 ou capable acheter produit online tout sous zestofmoinga.com et pas oublier si toutefois ou besoin nous boyon visibilité ou t'amener nous faire promotion pour concernant un projet un business qu'on gagne et qu'une kounya sous Haïti Media on à commercial@gmail.com pour on fléguer dès monnaie ma bolovla et dans moins qu'une semaine ou si poser satisfait pour façon n'a voyé business lan monter au pral saisi parce qu'il pral passer puis ou passer yon egg ou a dit ou pas au courant en parlant de kidnapping des Américains, ben tout annoncer nous que Blandi l'a venu retirer mon nio lui-même. L'a venu prendre mon nio Jean Nouvelé. OK? L'a venu prendre mon nio Jean Nouvelé. L'a venu prendre mon nio Jean Nouvelé. OK? L'a venu prendre mon nio Jean Nouvelé. OK? Blanc décide de venir prendre mon yo, Jean Nouvelé. D'accord? Ça veut dire que Jean nous décide à Jean Nouvelé la venir prendre. Et d'ailleurs, Biden clair, monsieur décide lui-même pour venir retirer mon yo là. Et il y a des dispositions qui déjà prennent dans ce sens. D'accord? Ça veut dire que ça clair. Just to follow up on your comments on Haiti, you spoke generally, but there are 16 Americans who are still being held hostage there by one of the gangs. I know this is a law enforcement matter, but what is this building specifically doing to help free the Americans? What urgency do you feel on this issue, and what does it say about the security situation? So I personally give an update on this issue every single day to the president, who is taking a deep interest in making sure we get every single one of those people home safely. The main thrust of our effort thus far has been to deploy a significant number of law enforcement specialists and hostage recovery specialists to work closely both with the ministry, the families, and the Haitian government to try to coordinate and organize a recovery. We are looking at every possible option for how to go about doing that, and I will be sensitive to what is obviously a delicate situation, not say more here, other than we have put the assets and resources in play that we believe can help bring this to a successful conclusion. But these things operate and have operated in Haiti historically on different timetables, under different circumstances, and so we need to manage this situation as carefully as possible so that at the end of the day we achieve our objective, which is the safe return of every single one of those, both adults and children. And the children aspect of this is something obviously the president is quite focused on to make sure they're taken care of and that they get home okay. It's going to take one more. Oui, nous t'a dit que changement yo continuer et dans niveau la police là et Delin Boyer qui c'est commissaire Delma. Comme nous, Delin Boyer, c'est un équipe qui a résultat pour la commune d'Elma. Et malheureusement, le nouveau commissaire qui est monté là, il a tout monté avec un assassinat, puisque tout à l'heure là, dans Fragnoville, et bon, avant petit marché Wilson jeudi, et il a fait tout le monde là. Le monde aussi, mais qui est mort par balle, mais le cadavre là, jusqu'à présent, toujours à terre, dans la zone Eudorville. Ça veut dire que c'est Fragnoville 11, ou bien 10, je ne sais pas combien. Et Mounsa li atea. Zone Caprice Market là? Oui, en face Caprice même. Et devant Caprice même, on a tombé. Ça veut dire que Negio dérape. OK? Negio dérape. C'est le premier commissaire d'Elma a fait face à ça. Et puis, Jean Zonan, nous parlions avec M. G9 et m'espérer incessamment gagner des réponses qui baillent sur question. Et même Jean Montest, même Bouffal, annoncé que demain, si Dieu veut, mon yo ka reprendre toute activité. Mais j'aime dire, non, ce n'est pas grève là, vrai, qui problème là. C'est parce que mon yo pas qu'à joindre et gaz pour capable de rouler. C'est très important. Et même dit mon yo que gagner et gaz qui n'a pas, n'a pas gaz là. Et ma bonne quantité qui va encore jeudi. Oui, moi je me demande pour qui ça pour commencer en bas. Vous commencer par exemple dans la zone Kafou, zone sud là, zone Zayo qui ça qui empêcher que vous commencez bail. Je dis là il y a 240 barils qui arrivent là, il y a 160 000 barils diesel et 80 000 barils gasoline. Alors cap privé demain à 2h dans pompe n'a pas au prince, et pas dans pompe cap privé. Qui bon la privé la privé dans ça, parce que comme tout employé de ça, il déjà tout prêt là. Il y a tant que zone. Combien terminal il y a pour le prince? Il y a 3. Gain vareux, gain tort, et puis gain côté Michel Cléria, non, Matissan, 4. Mais c'est 4 liés, c'est 3. Tolon, c'est Tevassa? Non, Tevassa, c'est Meuse. Ok, c'est Vareux. C'est Soleil. Oui, justement, Bélékou. Et Tor, c'est Kafou. Ok. Et puis gain Matissan, 4, c'est pas Michel Cléria. Ok. Pas Michel Cléria, par exemple, c'est deux temps que moi, gain seulement. Mais en tout cas, dans le temps, tu as gagné un tour par exemple dans Formon, dans le sud, dans le sud, tu as gagné un tour dans Cap-Haïti. Oui, Cap-Haïti. Tu as gagné des terminales là. Même qu'on est un peu le monde dans le sud, après réfléchir sur un terminal qui t'a dû faire dans le port Bédumel, qui permettre que Gaza et tout vienne dans le sud. Il faut commencer à réfléchir pour que nous ne pas concentrer tout ça dans Port-au-Prince là. OK? Et ça, très important. Il faut commencer à réfléchir sur ça. OK? Et je pense que nous avons fait effort pour que nous soyons capables de garder la question. Il y a une possibilité pour une bonne nouvelle, mais c'est bral après pose là. Si la nouvelle est bonne, je suis content d'annoncer nous et je permets que publiquement que nous parler de questions ça avec nous. OK? Mais moi-même, je me dis là, je n'ai pas de force ZAM, je n'ai pas de force micro. Et je ne peux pas en aucun cas. Several times a week, as you know, I will say that, as the president has said before, he has concerns about the power of social media platforms to and the lack of progress in addressing issues like vaccine disinformation and election disinformation. And I know there's been a range of reports out there about what he's looking to see and who's representing his interests. Here's the truth: if people are representing his interests at any of these social media platforms, they do more to crack down on vaccine disinformation, on election disinformation, and he's talked about his support in the past for reforms to Section 230. That remains his position, and obviously seeing not just the testimony, but some of the revelations that have come to light is a reminder of the needs for some of these reforms. Go ahead. Jen, just to quickly follow up on the climate question. Yeah. One thing that we've reported is out is a methane fee on oil and gas producers. How much of a setback is that for you and your methane, your overall methane and climate goals? Well, I know that some spokespeople from Leaders on the Hill have conveyed that it was still a part of the discussion and negotiations, so I would point you to that. So it is from your perspective. I would point you to leaders and members on the Hill who have spoken to this recently. And what's your message to people like Representative Jayapal, who said that they want to see both of these things, the infrastructure, the broader bill, better bill, voted on at the same time? Is that something that you're okay with, if that means pushing things out a couple weeks? We'll leave the mechanics to Speaker Pelosi and Leader Schumer. Obviously, the president continues to want to get both pieces of legislation done. We are in regular touch with Congresswoman Jayapal, who we've been working with through every stage of this process. Go ahead. Following up on this climate question, I've just listed these historic investments, grants, loans, tax credits, manufacturing credits. You said, but environmentalists are pretty vocal about this. They say you need penalties in order to get industries to make these major conversions that they need to make. So how do you get to these 2030 goals, focusing on incentives? Well, I would note that there have been also outside experts who have provided analysis that says that we are there are a range of ways to reach our goals, to reach the bold, ambitious climate goals that the president has outlined, including a number of the steps that I have outlined here. You're talking about the Rubin Group. They say there are a lot of ifs. They say all must act, that you need Congress in order to do this. You don't have Congress right now on a lot of these. We are working with Congress on a historic investment in addressing the climate crisis, the largest by many times in history. So that is what we're working toward. Jen, go ahead. I was wondering if you could walk us through what happened with Turkey over the last couple of days. There was this threat to expel our ambassador. Then we issued a statement confirming our compliance with the Vienna Convention. And so I'm wondering, should that statement be read as us in any way retreating from the letter that we put out that sort of kickstarted this whole thing, that said that the continued detention of that philanthropist there was a shadow over, respect for democracy and rule of law? It should not be seen through that light in any way. Obviously, we continue to speak out about the detainment of activists, of journalists, of individuals around the world, including in Turkey. And we also raise issues privately and publicly where we have concerns, as we have in this case. Turkey remains a NATO ally, a country that we will continue to work with on a range of joint shared interests moving forward. A number of issues, this, but also on defense contracts with Turkey. Is there any plan for the president to meet with President Erdogan at these upcoming summits? We have space, as I think Ed noted, in the schedule, which we're working to finalize for additional bilateral meetings. As you know, he met with his Turkish counterparts when he was in June on his first foreign trip. But I don't have anything to predict quite yet, and hopefully, with each day that follows, we'll have more. For those of you who are on the plane, we're going to do another gaggle with Jake on the plane on the way there. Go ahead. Thank you so much. I'm wondering what more you can tell us about the president's visit with the Pope and. Jake had deferred to you on Ed's question about press access, so can you guarantee press access for that meeting with the Pope? What I can assure you of is that we are working through every lever we have to advocate for access for the press pool and for press when the president visits the Vatican. We believe in the value of the free press. We believe in the value of ensuring you have access to the president's trips and his visits overseas. So I don't have an update for you. We are going on a visit. It is not a host here, so I can't offer you a guarantee, but I can guarantee we will continue to advocate. Okay. As well. Yeah. This weekend, 60 Minutes interviewed exiled Saudi ex-intelligence official Dr. Saad Al Jabri. Former acting CIA director Michael Morel has said that the information relayed by Dr. Saad has saved American lives. So first, what does the U.S. and the intelligence community owe Dr. Saad for the lives he has helped to save? And his children are being currently imprisoned in Saudi Arabia. Critique envers, vous comptez la parole concernant l'interview qu'une baille et chef G9 là. Et groupe armé souvelé, groupe gang souvelé, ou bal toute qualité non. Qui trouve le gang, qui trouve le groupe armé, monsieur Genzam et clairement dit ça. Et ça seulement me voulait dire deux trois monde, surtout des monde qui toujours fait politique. Moi pas tant des déclarations commissaire gouvernement qui c'est que c'est un monde que moi connais. Nous habitués à parler, ok, nous parler déjà, et nous rencontrer. Il y a des gens qui disent que le commissaire gouvernement est interdit qu'il se passe ça pour ne pas les bandits parler. Moi, j'ai un ministre qui t'a fait même bagage, ou Diali, qui t'a fait des menaces à des journalistes qui baillent Negazam parler. Sauf que ça m'a rappelé peut-être tout le monde, soit mon qui fait politique ou bien mon qui attend des radios. Jimmy Chérizier, c'est un policier payé et puis il est devenu salier aujourd'hui. Nous dit papa Jimmy parler. Jimmy c'est chef président G9, porte-parole G9. Jimmy Genzam. L'équipe G9 là, qu'on pète l'obéi en bas de la ville là, et que tout le monde a couru à gauche à droite. T'es un groupe tout, t'es 509, Fantôme 509. Les Fantômes 509 prennent la rue, dans l'Estin, Port-au-Prince crasé, vous d'accord? Oui. Complètement. Port-au-Prince crasé, tout le monde. Notamment l'administration, puis bureau l'État. Port-au-Prince crasé, tout le monde a couru, entrer la caille, etc. Parce que c'est des gens, gens qui n'ont qu'à dire, c'est des gens qui habillés, des cow-boys qui prennent la rue. Et il y a pile de monde qui est victime de 509. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui à la justice blanche, monsieur dame fantôme 509? De comme ça. Pendant que la justice dit pas bail bandit micro, mais la justice prend des décisions par exemple pour les blanchir monsieur dame 509. 509 fantôme, pas de mandat encore, pas d'envie de recherche, tout bail fini. Là, on amalgame. Et personne ne va comprendre. Je voulais attirer l'attention sur ça. Je connais Jimmy Chérizier, c'est un chef gang. Je connais Jimmy Chérizier, c'est chef G9. Jimmy Chérizier est aussi un acteur. Je dis un statut Jimmy Chérizier, pas seulement un chef de gang. C'est un leader, puisque le groupe que l'a mené. Et son groupe qui est fausse. Personne ne va débattre de Mathieu. À part lui, clairement, le dos. Zone bloquée. Effectivement, zone bloquée. Par un galon gaz qui sorti dans va aujourd'hui. N'est-ce clair? Par un galon gaz qui sorti et qui est-ce qu'a fait un galon gaz sorti? Personne n'a pas fait un galon gaz sorti, non. La police t'a laissé matin, tirer coup de zame, etc. Et puis, pas gagné. La police pas arrivée comme si ouvert espace là, créer conditions pour mon al prendre gaz. Comme si vous avez dit que Nex ça qui déclarait que zone bloque ça bloqué ou bien zone bloquée, il n'y a pas rien. N'a pas été tout menti. Ou pas été tout menti. Vous comptez la parole à Edo, comprendre. C'est un chef de gang, c'est un chef d'un groupe armé qui clairement identifie tête li et il dit il prend des décisions, il prend des positions. Vous comptez la parole? Je dis si moi-même, je n'ai pas qu'à informer le pays pour me dire mais ça va passer en bas, que l'autre monde fait le job là. Et puis, en vérité, pour commencer par tête, nous toujours dire, on n'a parlé de gang, qui est-ce qui gang là? Gang n'a pas dit qui ça? Une forme d'hypocrisie dans le pays, donc pile nègre, c'est des mauvais géoïs. Yo pi gang que gang. Moi, j'utilise le micro pour me faire des contacts, j'utilise le téléphone pour me parler à des gens. Je parle à tout nègre net en général qui gagne des âmes, mais ok, c'est des groupes armés. Gang seul qui bombe l'armée qui connaît. Et le ça, il peut que j'aime dans le niveau ça. On l'aime songer, moi, dans Valérie Ocanez, et puis, m'a couru arrivé dans 6 mois, le m'a monté avec 2-3 policiers, le n'a passé qui est moi camper bolaouya Jimmy Chérizier. Et puis il y a un policier qui a parlé à Jimmy Chérizier pour qu'on ça hein. Un policier qui a parlé à Jimmy Chérizier et puis c'est Jimmy Chérizier, l'aime Jimmy Chérizier, c'est guerrier, il me dit oh, il y a un journaliste pas, c'était en temps de souvent. Voilà. Moi parler à Tilapli. Moi parler avec Iso. Je parle à Chemécha, je parle avec Chrysla, je parle avec Sonson, je parle avec Junior, je parle à Mikano, je ne les connais pas. Ils même ne les connaissent pas. Je me croise dans la vie une fois. Relation que moi gagne à toute les qui armée, c'est relation ça. Chercher des informations, toujours assurer que moi gagne des éléments d'information. Parce que moi-même comme journaliste et journaliste entre guillemets enquêteur, mais obligé de des informations à temps réel qui arrivent jeune moi. Mais des bagages c'est une pour là d'ailleurs, des causes c'est moi qui informer la police. Vous avez la parole. Sous penser que nèg ça c'est pas des acteurs, ça c'est business pour. Et d'ailleurs, ils disent tout. Toute qualité mon homme d'un pays a relé. Toute qualité mon relé nèg. Les relé au frème dans le téléphone, les nègres font des bananes radio, ils relèvent le chef gang ou bien bandit. Jimmy Chérizier est un acteur. Pas n'importe qui acteur. Ça, chaque gamme qui connaît. Et en tant qu'acteur, payant a toujours aimé connaître. Les gens des actions crivées en bas, qui ça bagaille là? Et mes problèmes gaz là, bateau gaz là, gasoline débarqué dans Vareux. Tout employé ou pas même rester loin, ou rester dans la zone aéroport. Il y a tant qu'il est la police ouvert espace, on a parlé d'employé de Tevassayo, pour rentrer en dedans, pour y aller faire distribution gaz là. Yo employé là, d'ailleurs sur l'aéroport, il y a un espace, il y a tant qu'il est pour la police, bail. Passage pour y aller travailler. Mais jusqu'à présent, la police pour travailler passage. Parce que il y a un groupe qui campe en bas, qui dit tant que Ariel parle, zone n'a pas débloqué. Ça veut dire que si je ne pas les Jimmy pays à la je me connais, non? C'est ça le problème. Kounia, est-ce que Ariel Bralé ou bien Ariel Café en bas à débloquer? C'est des questions pour me poser. Mais, vous comptez la parole, c'est émission saliée. Vous comptez la parole, c'est confiance en pile monde placé dans émission ça. Et ça fait assurer, nous n'avons pas des âmes pour nous gommer avec aucun monde, aucun groupe pour nous dire débloquer. Mais en tant que citoyen responsable, mis à part de questions journalistes, mais Guerrier Henry, c'est un haïtien. C'est un haïtien, avant tout. On va le faire en demande formelle. Et demande ça, m'a fait pour petit pam, pour petit pauvre, pour petit nous toutes. Cap vivant dans le pays. Parce que, une réflexion me fait aujourd'hui, que m'a partagé ensemble avec nous. Ça t'est arrivé en 2019, les répéter 2 ans après. Ils sont vraiment nombreux. Des parents qui font des gros sacrifices pour joindre l'argent. Pour vous étirer l'école. L'école là ouverte, tout fermé. Question m'a posée. Moi pas jamais entendu aucun débat fait sous Timoun Sayou qui t'a doué dans salle de classe hier, jeudi, semaine passée. Demain qui beaucoup jamais gagne chance ça. Vous avez la parole. Ça prouver et montrer clairement pays en général éducation pas veut dire rien pour moun yo. Opposition en face Jovenel Tefel, jodi a opposition en face Ariel fait même bagaille là. Opposition en face Jovenel Tefel 3 mois ferme pays. Jodi a opposition et incapacité administration ça Ariel a dirigé, on parle d'Ariel Henry. Pas rien comme sensibilité pour l'avenir. Quand on parle de l'avenir, on parle de ces jeunes écoliers et écolières. si G9 croit que doué pour Haïti mieux, m'a rappelé le proverbe créole qui dit, et m'a cité, et ça va là pour n'importe monde qui dit qu'il y a mené une bataille pour pays. Moi, je suis là en mai. Mais si vous voulez manger, il y a un paquet de façons pour manger mayoc là. Moi, je senti que je suis dérangé parce que moi, je me suis joué une chance ça avant 1986 pour que sans aucune difficulté, moi, fait 9 mois à l'école, moi, clean. C'est vrai, avec des pages de Côte d'Ivoire, je commence une vie qui a perturbé, mais peu avant, je une stabilité qui permet que moi-même, comme petit monde, je vais à l'école, je suis plat, tombé les pommes descendre, jouk à mes du salut, à pied, pour contre moi, par exemple, obligé de mener l'école. Je filet descendre tout vital, je traverse rue Timas, entrer rue ce matin, et puis je filet rentrer dans le filet, et puis je descends droite, je m'entraîne à la meilleure demandée. Mais route moi qu'on fait ou bien les sont intéressants tout moi passer sous la tomber les net moi rentrer entrer ou des pucelles moi filer descendre passer devant cahier nedea mal sorti c'est comment si route ça là comme une belle rappelez non les n'a plein descendre en face l'église méthodiste comment si route ça là comme blé si route tapic là et puis mal tomber oui ce matin et puis me filer descendre delmadé les m'a passé beaucoup du génie et puis m'entrer l'école moi et puis là dans la rue avec une forme tout grand monde respecté. Mais je dis, hein, depuis peu après 86, éducation, c'est un secteur, élève l'école et universitaire, c'est un secteur qui prend gros coup, qui est toujours en situation difficile. Je me demande, est-ce qu'on froid, t'es une année académique qui passait sans problème, sans difficulté? Jamais. Nous faisons, depuis 2019, nous avons une année qui a tchaké dans nous. Depuis 2017, année a tchaké dans nous. Parce que politique là brouette tout avenir au pays qui c'est la jeunesse. Ce soir, la demande est formelle. Barbecue, Sonson, Junior, Mikano, Jouma et toute l'autre équipe planète pour me citer ça seulement. Iska, ancien professeur de l'école, universitaire. Ce soir, messieurs, bandits armés, Jean-Aurélie nous, groupe armé, Jean-Aurélie nous, négazam, Jean-Aurélie nous, révolutionnaire, tout, révolutionnaire, j'en ai toujours dit. Messieurs, mon problème, c'est parce que je regarde ces enfants, ces jeunes qui, je dis, soif éducation, mais qui n'ont pas une chance ça. M'attendais on si jeune fille, on fillette. Mais faut nous c'est une monde qui marque me fillette ça. Les chanter le vaudou, les chanter des musiques engagées, mais les chanter en musique qui démarquait toute jeunesse moi. Hymne dans la jeunesse. C'est nos jeunesse. M'attendais le cap chanter hymne ça pour me faire chair de poule avec une uniforme soudée justement. J'ai vu en cette fillette l'avenir, mais l'avenir douteux. Je dis, monsieur, Marcel, c'est vérifier Internet là. Il y a un pile monde qui a écrit nous là. Et c'est vérifier ville professeur pour nous tous. Il y a un pile monde qui a écrit nous là qui dit pas recevoir radio à gagner. Merci. Je dis, petit petit ça. Moi, j'espérais que nous prétendons nous prendre pour nous garder. Mais monsieur m'a demandé dans bagaille. Oui, mon nom est mon la voix. Merci en pile. Merci en pile. Des monde belle que vous le bon là, mon la voix. Et pas de problème. Merci en pile. Oui, Francky et quand c'est pas à mettre ça. Francky bon bagaille. Nous pas avec quelque temps. Et monsieur m'a demandé dans bagaille. M'a demandé ça tant pis. Permettre que la vie reprenne. Nous sommes capables. Moi, je fais nos demandes formellement. Moi, je demande pour que la vie reprenne. Oui, Hermit Henry, on ne peut pas mener l'école, grand seul. Et moi, je demande, monsieur, pour nous permettre la vie reprenne. Ce n'est pas peine pour personne. c'est pas capacité non pas gagner pour une bataille, nous connaissons la bataille. Vous gardez la parole, mais il y a la jeunesse. Il y a ses enfants. Si l'opposition en 2019 était bonne 3 mois loc, il était crasé économie en un niveau le crasé là. Je dis, moi comprends nécessité pour que nous sécouer Ariel Henry qui clairement prouvé en forme de compétences. L'essentiel c'est que les pays comprennent la bataille politique que nous avons menée. Nous insistons chaque jour pour nous dire que la zone Bolaka n'est pas un kidnapping. Et le fait, avec des gens qui habitent dans la zone, ils paraît pour confirmer ça, pour vous dire ça clairement. Avec forme de revendication qu'on a fait pour des gens qui sont dans le quartier populaire, et dernièrement, on a regardé une vidéo, dans deux caïmus là, dans deux débats, ça pour moi, j'ai mon avis, son bagage qui est grave. Je dis, le monde, et notamment cette communauté haïtienne, reconnaît que nous sommes force. Parce que, mis à part des âmes, mais il y a des gens qui, dans l'environnement, dans le bloc de la caille, qui sont conscients et qui croient que nous avons mené une bataille pour eux. Ça veut dire, quelque part, ça, c'est déjà important. Nous ne voyons pas si nous avons force pour me faire ça. Mais je vous demande. Dès ce soir, ou probablement tôt, demain matin, libérer espace là pour permettre que produits ça qui sont produits stratégiques capables de vivre une jeune monnaie. Vous gardez la parole. Personne en aucun cas n'ose vous considérer comme des lâches. Dès la police t'a laissé font tentative matin, elle va réussir. Mais ce soir, je vous demande de libérer espace ça pour que Jean-Monteway l'autre 3 mois qui conséquence les gains payants pour personne ne va mettre un sous don même si tout le monde est conscient que ces revendications pour les gens qui dans grand sud pays Jean Jimmy Chérizier dit hier qui ces revendications pour les gens qui sont considérés comme des laissés pour compte des gens qui sont marginalisés dans la société on n'a pas les gens qui dans ghetto qui dans la saline et pas oublier dans l'espace ça c'est là monsieur qui gagne fait plus cob. Lorsque les gens qui vivent dans le Waf Jérémy, tout près, il y a des bossans, des cols et consorts. Regardez tout près, Tebassa, ça a les belles coups, ou bien fort dimanche, ou après les meuses. Un peu plus haut, ou regardez monsieur Chaude Kosayo. L'on passe dans la zone Pélé Simon pour les gens qui vivent, vous jouez devant, ou après Béman, ou après Eboulos. Et l'on vire Delma dans conditions infra-humaines que nous vivons là, si M. Valéry Canes avec si M. Inotoyo, c'est là qu'il fait gros copio. Ça veut dire qu'il y a une très mauvaise relation entre ces gens présentés ou dits pauvres avec un bon monde qui font masse l'argent en dans pauvreté, moun sa yo en dans misère. Vous gardez la parole. Et s'il vous plaît, moun sa yo pas jamais faire moun yo rien. Et moun sa yo pas jamais créer aucune condition pour bien-être moun sa yo jamais. Vous préférez descendre en bas dans l'eau senti, dans fatra, faire l'argent et puis dites tout, les arrivés à mettre pas face sur. Et consultez toujours depuis le temps. Premier bagage aujourd'hui, moun vinn conscient de lui, c'est que nous arrivons, contrairement à gens qui ont un gros combat, arrivons, calmer nous, mettre des têtes ensemble. Nous arrivons, plus ou moins, confiance moun qui dans le quartier populaire. Ça veut dire que des possibilités pour nous commettre. Mais, en plus, mon quartier populaire doit souffrir parce que tout simplement, produit stratégique, ça a la difficulté. Je vous demande ce soir, publiquement, de libérer les espaces. Honnêtement, par contre, si vous voulez dire gros bagaille, pour jusqu'à ce que nous attendions la raison, pour que nous disions, monsieur, et j'en dis, combat avec plusieurs stratégies là-dedans. Et m'a dit, l'extrêmement difficile pour me battre impossible pour que la police pense que c'est à coup de zam, la fait que n'est débloqué en bas. Bon, j'engage ma voix et mes mots pour vous demander, messieurs, haïtiens, de libérer l'espace. merci déjà. Et j'espère que samedi, quelque part, il arrive. Parce que il n'y a pas de monde qui est dans la zone Nassaline, qui est dans la zone Cité Soleil, des gens qui sont dans la zone Pétionville, qui est la boule, des gens qui sont dans la zone Delma, qui est Carrefour. Qui, malgré la situation économique pays extrêmement difficile, ils font des sacrifices quand même, ils veulent l'argent pour payer l'école pour Timonio. L'éducation, c'est ce qui, normalement, devrait nous rester comme élément et capable de faire que nous sortions dans sa nier. On fait un petit effort quand même. Et puisque nous-mêmes, de la génération 70, on a eu cette chance pour que nous t'aies fait maternelle, nous en paix, sans difficulté, sans problème. Jusqu'à ce que envie de démocratie, ça, que nous avons envie de dérouter. Nous sommes en février, ou bien début même de l'année 86. Parce que je me songeais, c'était la première frappe que je prenais à l'école, c'était vendredi 31 janvier, excusez. Le mal à l'école, et puis, il courait venir chercher moi. Moi, je longtemps que j'ai des petits bagages, mais c'est pas des bagages qui étaient gros. Et les abdous comme ça, ou, mais, comment, Elisabeth, dans telle école, ou bien, mais Hulk, dans telle école. T'es qu'on crée des petits paniques, mais des petits paniques, bagages simples. Les gens abdous, oh, ma question, Jean-Claude, ça, t'es qu'on fait, non? Les petits mouns, ils courir après, au bon, dame, que l'Elisabeth, qui a marché pour un petit moun l'école. Nous sommes des périodes, ça, pas songer qui est période, si avant Jean-Claude ou bien après Jean-Claude. En tout cas, si moun sa yo qui je dis pas jamais une chance ça en offrir aux chance là mais connais que un peu moun a souffrir ou était une question de Rambo vrai me songe pas ça et puis bon attirer attention sur ça vous avez vu la différence malgré pays en loc jodi a c'est un loc classique. Est-ce que nous sommes des masses de gens qui ont gommé contre Jovenel Moïse, qui ont dit Jovenel pas vrai? Ouais, je dis à bon silence absolu. Et comme souvent, ça a passé là-bas, mais qui n'était pas dérangé, mon gars. Pourquoi ça va déranger? Parce que, Pembeni, on t'a cherché à même le joindre. Vous savez, chaque action posée par Jovenel Moïse, l'ancien président de la République, action ça a été critiquée par plus d'un. Nous avons joué à gauche à droite. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Par aucun monde qui était en face Jovenel Moïse, c'est comme si toute bagarre marchait bien. C'est comme si tout bagarre marchait bien. Je dis à Baladi. Vous nous dites, mais Elisabeth, c'était 83-84 Jean-Claude. Ils sont les gens. Elisabeth, ils sont l'école, etc. Moi, je vais chercher. Je vais chercher Elisabeth. Contrairement à Timon qui a couru, même, objectivement, j'ai rejoint Elisabeth. Je suis guerrier. OK? C'est pas, guerrier n'est pas mon nom de famille. Guerrier, c'est mon prénom. Vous voulez comprendre ça? Le nom guerrier que je porte, je ne vais pas partager la personne, je vais partager un ria. Ok? Mais guerrier, c'est nom, c'est prénom. C'est mon nom à moi, ça veut dire c'est mon prénom. Je suis tout petit, je vais chercher Rambo. Je suis fou. Je suis besoin Rambo ni Elisabeth. Je vais courir, je me dis, maman, non. Je suis besoin Elisabeth, je vais chercher Elisabeth dans tout Port-au-Prince. Je vais chercher Elisabeth qui t'a fait mon père ça. Je dis à monsieur, vous comptez la parole avec toute mon net. C'est que l'important pour que nous permettre que Mounio, si Mounio surtout, nous garder la parole, la jeunesse surtout, pour nous dans quel niveau que nous avons chance. Et pour m'expliquer ça, nous ne parlons pas la Jean-Marie Joseph qui va le dire, pays bloqué à instabilité, il va le dire nous, l'école a déjà commencé déjà et que bon arrêt vient fait, qui ça a causé dans l'esprit de Mounio? C'est ça que je avec Jean-Marie Joseph comme éducateur, comme professeur. Parce que, il y a un arrêt brusque qui fait dans l'esprit de monde pendant que était déjà commencé à l'école. Mais nous ne pouvons jamais réfléchir pour eux comme si ce n'était pas important. Et je me rappelle que si les gens, c'est futurs dirigeants nous que vous. Jean-Marie Joseph, bonsoir, merci parce que vous acceptez parler avec nous, nous avons la parole. Eh bien, salut aux guerriers, bonsoir, et bonsoir à tous les citoyens. Dans ça, le tout professionnel vers Joseph, on connaît notre temps de nous. Et qu'est-ce qu'on dit là, c'est pour qui ça que. Qui conséquence ça a gagné sous des petits mouns qui commençaient à aller à l'école, qui commençaient à rejoindre camarades, qui commençaient à suivre cours. Brusquement, on a un arrêt qui fait.